Good morgen, allez, Iden, l'étude sur aujourd'hui le Nishmat, Machlouf Micha ben Masouda, Rivka Bat Levi Yitzhak, et Dov ben Yehudit. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kinim, Perikbet Mishna Aleph. Kan Stuma Sheparach Mimena Gozal la Avir, ou Sheparach Leben Ametot, ou Shemet Echad Mehem, Ikar Zug la Cheni. Parach Leben Akerevot, Pasoul, ou Possel Echad Kenegdo, Shal Gozal, Aporeach. Pasoul, Bossel, Echad, Kenegdo. On continue maintenant dans ce nouveau Pérec à compliquer un petit peu les lois des mélanges des nids d'oiseaux qui se mélangent. Et bien sûr, bien évidemment, on reprend les données de base. Je vais très vite, vous êtes censé les avoir assimilées, mais je les répète quand même. Il y a tout d'abord, dans les différents corbanotes qu'on peut apporter avec des oiseaux, il y a soit un khatat, soit khatata of, soit olata of. Soit un khatat qui expine, faute soit ola qui est une holocauste qu'on offre entièrement pour Hachem. Khatataof, il faut asperger son sang dans la partie inférieure du misbéach, et Olataof, dans la partie supérieure du misbéach, on monte sur la rampe, on l'asperge et puis on le jette au feu. Si on a fait un Khatataof en haut ou un Olataof en bas, on a invalidé le korban. Premièrement. Deuxièmement maintenant, les lois des mélanges. Si j'avais un Khatataof et un Olataof, je devais apporter deux korbanotes, je vais désigner chacun, et puis ils sont mélangés. Maintenant, je ne sais plus les reconnaître. Ils ont la même tête, je suis bloqué. Eh ben, je ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, dans le doute, le faire asperger son sang ni en haut ni en bas, parce que je transgresse. Celui que tu dois faire en haut, tu ne dois pas le faire en bas. Celui que tu dois faire en bas, tu ne peux pas le faire en haut. Donc, tu es bloqué. Mieux que ça, un qui se mélange dans 10, dans 100, dans 1000, dans 10 000, dans 1 million, on ne pourra plus faire aucun korban. S'il y a un khatat qui se mélange avec 10 000 holot, je ne peux plus faire aucun korban. Parce que dans le doute, chaque fois que tu en prendras, peut-être que c'est le khatat et tu dois le faire en bas, peut-être c'est l'ola, tu dois le faire en haut. Et il n'y a pas d'annulation par majorité, ni par 60, ni par rien du tout dans les êtres vivants. On met de côté maintenant, on introduit la deuxième notion qu'on a déjà évoquée, la notion des kinim shebechova. Un ken, c'est un nid d'oiseau, c'est une manière de définir une paire d'oiseaux, tout simplement, rien de plus. Et il y a, lorsque dans plusieurs situations, de la verot ou de purification qu'on doit faire, la Torah nous importait d'apporter. Elle nous imposait d'apporter un khatataof et un olataof. Lorsque je vais les acheter, je peux maintenant désigner que j'achète un ken les chovati. Je désigne, j'achète cette paire d'oiseaux, ce nid d'oiseaux, cette paire d'oiseaux pour mon devoir. J'ai fixé qu'il y en aura un qui sera khatat et l'autre qui sera ola. Forcément, mais indéfini entre eux. C'est-à-dire, je ne peux plus faire deux khatat, je ne peux plus faire deux ola. Il y aura un khatat, un ola. Dès que j'en désigne un, je dirai toi tu seras le khatat, l'autre il devient ola, ou bien dès que je dis que toi tu seras la ola, l'autre il deviendra le khatat. D'accord? Le sujet de kinim, maintenant, va être de parler lorsqu'il va y avoir un oiseau qui va se mélanger dans des kinim lo meforashot. Un oiseau qui va se mélanger dans des paires d'oiseaux qui ne sont pas désignés. Tout d'abord, j'ai oublié encore un cas de figure, c'est que si je dois apporter trois paires d'oiseaux, parce que j'ai été une fois Ziva, une fois une femme qui a accouché, une fois, ouais, d'accord? Donc j'ai acheté d'un coup trois paires d'oiseaux, six. Six oiseaux en tout. Il s'avère qu'il y en a trois dedans qui sont khatat, trois qui sont ola, indéfini, je peux faire ce que je veux, je peux désigner, mais je suis obligé d'en faire trois khatat, trois ola. Du coup, lorsqu'il va y avoir un khatat qui va se mélanger avec eux, ou un ola qui va se mélanger avec eux, eh bien, c'était ce qu'on apprenait dans le périple précédent, qu'on est bloqué, qu'on ne pourra faire que la moitié, parce que dans le doute, on... D'accord? Comme ce qu'on avait appris dans les chaînes précédentes, je ne reviens plus dessus. Dans notre chapitre, maintenant, périple bête, on va compliquer un petit peu la sauce. Ça va devenir un petit peu plus, encore plus subtil. On va parler cette fois-ci avec ça va plus être un oiseau défini qui va se mélanger dans des oiseaux indéfinis, mais ça va être des oiseaux indéfinis qui vont se mélanger dans des oiseaux indéfinis. Je vous explique le principe très rapidement. On le reverra dans notre Mishnah, on le reverra dans le prochain Mishnah Yot, en compliquant à chaque fois un petit peu plus la situation, mais on va prendre un cas très simple, d'accord? Entre parenthèses, lorsqu'on se retrouve avec des mishnayot comme ça, où les données, elles sont un peu... Vous ne les assimilez pas, le seul moyen de vous en sortir, c'est de couper le cours, de vous mettre avec une feuille au calme chez vous, et de réfléchir à la situation, et vous allez tout comprendre tout seul. Lorsque vous aurez compris tout seul, vous serez capable ensuite d'évoluer. Pour ceux qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas encore accroché sur la finesse qui se passe. C'est vraiment pas compliqué, c'est le même principe. Pour le moment, je suis arrivé jusqu'à la fin du périple bête en préparation. Ça va quoi, c'est... Voilà. Je sais pas ce qu'il va y avoir dans le périple guillemets, je peux pas vous assurer que ce sera pas plus compliqué, mais pour le moment, c'est le principe. Imaginez trois paires d'oiseaux... Pardon. Trois paires d'oiseaux qui se mélangent avec cinq paires d'oiseaux.
Donc, j'ai 6 oiseaux qui vont se mélanger avec 10 oiseaux. Parmi les 6, il y a 3 ratat 3 ola, forcément, même s'ils sont indéfinis. Parmi les 10, 5 ratat 5 ola. Un oiseau qui s'envole et se mélange avec les 10. Il m'en reste 5 ici et 11 maintenant là-bas. Qu'est-ce que je fais? C'est la question. La solution, je vous dis tout de suite, c'est la dernière phrase de la Mishnah. A Gozal, à Poréar, Pasoul, ou possède Echad Kenegdo. Il est arrivé là-bas, il y en a un qui sera invalidé, et dans son groupe, il y en aura un autre qui sera invalidé. Au total, j'avais 16 oiseaux, et bien je pourrais en faire 14, et il y en a deux qu'il faudra les laisser mourir de faim et apporter deux à la place. Pourquoi? C'est simple. C'est très simple. Regardez. Il y a parmi les 5 indéfinis, 6 indéfinis, un qui s'envole qui va dans l'autre. Maintenant j'en ai 11 devant moi. Dans ces 11, qu'est-ce que j'ai? J'en ai forcément 5 qui seront ratat, 5 qui seront là, et un que je peux en faire ce que je veux. Mais j'ai un grand problème. J'ai un double problème. Tout d'abord, donc, j'en ai 11 devant moi, je reprends. J'ai dit j'en ai 11 devant moi, 5 qui seront, qui peuvent. 5 qui. C'est-à-dire parmi les 11 mélangés. Tachlès, concrètement, chacun, il est apte à devenir soit ratat, soit ola, il n'a pas de problème. Et parmi les 11, ben, parmi les 10 initiaux, dès que tu fixeras 5 qui sont ratat, il y aura forcément les 5 autres là, et le supplémentaire, ben, tu en fais plus ou moins ce que tu veux. Donc, on illustre. J'en ai 11 maintenant. Je commence à en prendre un. Allez, qu'est-ce que vous dites? Ratat, aucun problème. Prends-le en ratat. Tac, je mets les ratat. Allez, à droite, les ratat. Et je prends ratat. Je prends un autre, ola. Ola, ratat. Alors, on va commencer à prendre le cas où d'abord j'ai désigné 5 ratat. Je désigne 5 ratat. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Parce que je prends le premier de deux choses l'une. Soit il appartient au premier groupe, donc lui, il est ratat. Ça ne concerne pas les 10 autres restants. Les 10 autres restants, je peux en faire 5 et 5. Je prends un deuxième de deux choses l'une. Soit maintenant, j'ai tiré à lui, ou bien c'est un de ce deuxième groupe. Troisième, de nouveau. Il va s'avérer que lorsque je vais avoir maintenant les 5 ratat que j'ai désignés ici, eh ben, il me reste comme ça deux choses. Parmi les 6 qui restent, il y aura, dans le doute, je dois fixer qu'il y a 5 Ola. Ouais, parce que si les 5 que j'ai tirés, ils étaient de ce premier groupe, eh ben je dois nécessairement donner en contrepartie 5 Ola. Celui qui s'est mélangé, il ne me dérange pas, parce que au pire, si finalement quand je désigne l'Ola, je vais prendre le premier qui vient de là-bas, eh ben, ce sera lui l'Ola. Donc je vais désigner contre les 5 ratas que j'ai pris, je vais prendre aussi 5 Ola. Le dernier qui reste, lui, je ne peux plus rien en faire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en réalité, premièrement, peut-être que c'est celui qui vient du deuxième groupe. Donc, il n'est pas concerné par tout ce qui s'est passé. Lui, dès que je le désigne Khatat, l'autre sera Ola. Ou je peux le désigner Ola et l'autre, il sera Khatat. Il fera un Khatat dans l'autre groupe en contrepartie. Sauf que, il est possible qu'en réalité, lorsque j'ai désigné les 5 Khatat, eh bien, j'ai déjà fait passer le Khatat qui était là-bas. Et en fait, celui qui reste ici, c'est un qui est en contrepartie des 4 qui sont là, ou des 5 au lot. Et puis de ce fait, il s'avère que peut-être qu'en fait c'était sa paire, c'est la paire de l'un ou la paire de l'autre. Ouais, puisque j'ai désigné 5 au là. Donc, imaginez, j'ai les 5 devant moi, et en fait parmi les 5, il y en avait celui-là, là, ben en fait c'était celui qui venait du premier groupe. Donc il s'avère que lorsque j'ai désigné aussi les 5 au là, eh bien il y a eu les 5 initiaux autres de ce deuxième groupe, qui sont devenus ratat. Donc celui que j'ai dans la main, c'est un ratat. Donc, puisque là ils sont là, je ne peux pas le désigner, parce que lui il va être ratat. Mais peut-être que ça a été inversement, que là j'ai fait passer, qu'en réalité, celui qui est passé du premier groupe qui s'est mélangé, c'était le hola. Et donc, d'accord, donc maintenant, j'ai inversé, bon c'est pas grave. Vous m'avez compris, d'accord, vous avez compris la problématique. Donc du coup, en fait, on va se retrouver dans une situation que, premièrement, parmi les 11 qui sont mélangés, je pourrais nécessairement faire que 5 ratat et que 5 ola, uniquement. D'accord? Je ne pourrais pas faire le 11e qui sera là. Peut-être qu'il sera la paire d'un ola du nouveau groupe, peut-être qu'il sera la paire d'un ratat du nouveau groupe, ou peut-être qu'il a, ou peut-être qu'il sera, en fait, qu'il appartient, que c'est celui qui va en parallèle avec l'autre groupe. D'accord? C'est celui, le premier initial qui est venu se mélanger. Donc le 11e, je ne pourrais pas le faire. En contrepartie, aussi dans le groupe maintenant des 5, eh ben, je pourrais désigner certes deux ratat et deux ola, mais par rapport au 5e qui restera, je ne sais pas quoi faire avec lui. Parce que lui, je ne sais pas c'est qui sa correspondance. Parce qu'il est possible qu'en réalité, sa correspondance, c'était parmi les 5 que j'ai désigné ratat dans le groupe des 11, eh bien, il y en a un qui était en réalité, c'était sa paire. Donc lui, il est devenu ola.
Mais peut-être qu'en réalité, non, c'était dans le gros, dans les cinq que j'ai désignés là, qu'en réalité, il y avait le deuxième qui était le parallèle, l'âme sœur de l'autre qui restait là-bas. Donc maintenant, si lui il était là, l'autre il est devenu khatat. Donc je sais pas ce qu'il est khatat et ce qu'il est là, je pourrais rien faire. Il s'avère que finalement, lorsqu'on a les 11 et les 5, je pourrais faire parmi les 11, 10, parmi les 5, 4, et il y aura deux qui iront mourir de faim et qu'on apportera d'autres korbanot à la place. Vous avez compris le principe? On le reverra Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, je commence à traduire la Mishnah, où dans le premier cas, d'abord, on va parler d'un cas beaucoup plus simple. Ken Stuma, un nid non explicité. Donc il y en a, une paire de Chova, chez Parach Mimenu Gozal la Aviv, qu'il y a eu un petit oisillon qui s'est envolé, il s'est fait la malle. Oh, chez Parach les Benametot. Ou bien non, c'est pas qu'il s'est envolé et qu'il a disparu de la circulation. Il est parti, il s'est mélangé avec d'autres oiseaux que de toute façon il fallait laisser mourir parce qu'il y avait des problèmes de doute là-bas. Oh, Shemet et Khadmem. Ou tout simplement, il y avait une paire et il y en a un des deux qui est mort. Donc il m'en reste un. Lui, je ne sais pas qui il est, est-ce qu'il est Khatat ou il est Ola? Je ne l'ai pas encore désigné. Aucun problème, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'amènes à un Zivouk Sheni, tu l'amènes à un nouveau Benzoug, tu l'amènes une nouvelle paire. Ikar Zoug la Sheni, il prendra un deuxième oiseau pour en faire une paire avec celui-ci. Et après, ben, tu en auras deux devant toi, tu désigneras un qui sera Khatat, l'autre qui sera Ola, comme on a expliqué. Ok? Pour le moment, cas très simple. Barthénora rallonge pour expliquer quel était le chidouche Bichlal. Parce que c'était tellement évident que. Bien que. Bon, d'accord. Barthénora, il explique. Il y a ici, d'accord, c'est la lara qu'on a appris. Sache que lorsque tu as maintenant tu as deux oiseaux qui sont indéfinis, ben chacun il est indéfini. Même, et s'il y en a un qui meurt, ben, puisqu'il n'est pas défini, tu peux prendre un deuxième qui va venir le substituer, celui qui est mort, et comme ça tu auras de nouveau deux korbanot indéfinis, et un fixera le statut de l'autre. Maintenant, nouvelle situation. Parach le ben akrevot, si toutefois il y a eu un oiseau d'un kanstuma, d'une paire qui n'était pas explicitée, qui s'est envolée et qui s'est partie mélanger avec des crévotes, avec des oiseaux qu'il fallait apporter en corban. Il y avait d'autres corbanot chez Bechova. Il y avait des khatat et des ola qui étaient mélangés. Alors quelle est la halakha? Pasoul au posel echad kenegdo. Sache que concrètement, il va lui-même, tu ne sais pas qui il est, mais en tout cas, il va donc, dans le nouveau groupe où il s'est mélangé, il va invalider un au posel echad kenegdo, il va aussi invalider un compte en contrepartie qui se trouve dans le deuxième groupe. Comme ce qu'on expliquait, tu avais un groupe de 6 et un groupe de 10, un qui s'est mélangé, eh bien il s'avère qu'il va y en avoir que lui il est devenu pasoul, c'est-à-dire il y en a parmi les 11, il y en a un qui est pasoul, tu peux plus le faire en corban, et ou possède echad kenegdo, il va aussi annuler, il va aussi invalider un qui se trouve dans le deuxième groupe parmi les 5 restants, tu peux en faire que 4, et il y en aura un qui sera grillé parce que tu auras forcément un doute que tu ne sauras pas est-ce qu'il est khatat parce que tu ne sais pas. Quelle est son âme sœur? Il se trouve maintenant, peut-être qu'il est parmi les Khatat, peut-être qu'il est parmi l'Ola, peut-être qu'il est le 11e qui n'a pas été désigné. Et dans le doute, tu ne pourras pas rien en faire. Donc de ce fait, on a grillé un d'ici et un de là-bas. Passons le possède Khat Kenegdo. Et la Mishnah continue en me donnant la généralité. Shehagozal Haporeach. Car le petit oisillon qui s'envole, donc qui s'envole pour partir se mélanger avec les autres, Passoul au possède Echad Kenegdo. Il est lui-même invalidé et il invalide un en contrepartie de lui. Ok? La prochaine Mishnah, commencez à lire le premier, vous allez voir Keitzad. Comment se présente le cas? Et on va expliquer exactement ce qu'on a expliqué à l'oral. Bezrat Hashem, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, salam.